Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Babozor, développement web et innovation collaborative, et le Shop du Barbu, des objets uniques pour des gens uniques. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui on a un super invité, on a Nono du groupe Nono Solo et les frères Courteau. Ouais, c'est ça. D'ailleurs ce sera la bande-son de cet épisode, tu ne le savais pas. Et aujourd'hui qu'est-ce que c'est? C'est la Grotte du Barbu. Eh ben, c'est épisode 120, déjà 120 épisodes. Et quel est le titre de cet épisode? Le gras, c'est la vie. Ou Adipam, Vita Est, c'est Vitam Est. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire de la saucisse. Allez, c'est parti. Allez. Bordel de merde. À l'italienne. Alors, on va faire de la saucisse, mais avant de se faire de la saucisse, d'abord, on va se boire, on va se servir un petit coup. Hein? C'est pour Tiens, tu m'ouvres un peu. Avec ta super bague, ta super bague qui permet d'ouvrir les bouteilles. Celle-là, elle va te faire un peu mal, non? Nasdravé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la saucisse! De la saucisse maison, hein? Parce que vous pouvez aller acheter vos saucisses pas bonnes, mais vous pouvez aussi les faire. Pour ça, de quoi que c'est-il qu'on va avoir besoin? D'abord, on a besoin de la chair à saucisse. Alors, on n'a pas trouvé. Honte à Intermarché. Intermarché, honte. Le seul truc qu'ils nous avaient à vendre, c'est de la chair à consommer cuite à cœur. Alors, avec. Ingrédients, maigre et gras de porc, 25% de veau, eau, sel, épices, dextrose, acidifiant, E330, E266, E-oxydant E300, conservateur E252, colorant E120. Alors, c'est mieux d'avoir... Vous allez chez votre boucher, vous faites grinder votre viande, comme ça il mettra pas toutes ces merdes. C'est pas grave, hein. Nous on mettra plein d'épices pour compenser un peu. On a à peu près combien? Bah 5 kilos, là. Non mais on le pèsera après. Alors, élément indispensable aussi, ton super bouquin sur les saucisses. Vas-y, montre-le. C'est qui, comment qui s'appelle? Saucisse maison. Suzanne Manque Perry et Charles. Aux éditions Marabout, où il y a plein de recettes trop top pour faire de la saucisse. Voilà. C'est exactement ce qu'on a besoin. Et nous, ce qu'on a choisi, c'est de prendre la recette. Alors toi, t'es un spécialiste de la saucisse laotienne. Ouais, et là, on va essayer d'innover. On va prendre la saucisse italienne, mais on va la refaire à notre goût. Parce que voilà. On va rajouter des trucs. Parce que on a envie. Un peu secret, mais surtout parce qu'on avait des épices. Voilà. Donc, saucisse, bière pour faire, bien sûr. On a quoi? Du sel, du poivre, des épices un peu ce qu'on veut. On a du piment doux, des trucs comme ça. On a de l'ail. Voilà. Et on a les boyaux. Alors ça c'est important, les boyaux, là c'est les boyaux de veau, c'est ça? Mouton-veau, qui sont plus petits pour faire genre des merguez. Et il y a ceux... C'est vrai, j'en ai aucune idée moi. Et ceux de cochon qui servent à faire genre de la saucisse de Toulouse. C'est ça à peu près. On a besoin de quoi d'autre? On a besoin d'un poussoir à saucisse. Alors on vous le montrera après parce qu'il est un peu massif, il est par là-bas. Toi, t'as un poussoir de psychopathe spécialiste professionnel. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà, puis après, un peu d'huile de coude. Voilà, il faut qu'on se bouge un peu le cul et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser, d'accord? Avec ma petite balance pourrie de cuisine. Bon alors, avant, on va dire qu'on a fait comme si on s'était lavé les mains. Hein, de toute façon, alors là, on a 700 grammes. Un petit peu en dessous de 5 kg. On est à 4,9 kg. Ça va. Qui veut faire la règle de 3? On a besoin de quoi? Donc 1 kg de lin, une cuillère à sel,
une cuillère à soupe de gros sel. Et j'ai oublié de prendre une cuillère à soupe. Et on a déjà servi donc. Ouais, ouais, on va faire comme si. Une cuillère à café de coriandre moulu. Coriandre moulu. Dans cette société, il y a des gens à gaucher. On les a pas remarqués, on vit juste à côté. Il faut manier qu'avant, on est tous des enfants. On croit au Père Noël, on croit que la vie est belle. Tu veux que je le fasse? Attends, vas-y, putain. Regarde, il y a des boucs qui vont à droite à gauche. Mais attends, mais donne, regarde. Alors, déjà, il fallait qu'on parle du couteau. Alors, comme vous voyez, moi j'ai pris le mien, tu as pris le tien. Ce qui est important, c'est d'avoir son couteau, de savoir comment utiliser le couteau. La deuxième chose super importante, c'est un couteau aiguisé. On pense qu'un couteau aiguisé, c'est dangereux, c'est pas vrai. Donc, bien aiguiser les couteaux. Et est-ce que tu veux que je te montre une technique mortelle? Bah, ah, mais t'as pas écrabouillé l'ail? Tu veux que je te montre? J'avais une technique de la mort. Ah, mais tu l'écrabouilles un peu. Il y a un poil de barbe. Oh oh oh, voilà, on va pas faire ça, sinon il y a des bouts de doigts qui partent avec. Bon, je pense que les épices c'est prêt. Non, ça me semble un peu... Non, c'est moi ou ça semble un peu faiblard par rapport à... On va mélanger. Alors, déjà, je vais enlever ma montre. Je vais perdre ma montre dans le mélange de... Mélange, salope. Tu peux dire aussi... On va te faire foutre. On peut mettre des ouais, on peut mettre des gants. Bah, tu peux, regarde, tu peux le dire. Voilà, on peut mettre des gants alimentaires, si vous avez des gants alimentaires. Les mains, pas trop longues, pas trop grandes, parce que j'ai du mal à... C'est un peu pareil. Bon, je balance tout dedans, quoi. Et le plomb. L'ail, le plomb, le 220, le 360. Voilà. Attends, on va pas gâcher. Le roi de la langue est bien pendu. Espèce d'eau salée. Et ça, c'est vachement bien. C'est canon, papa. C'est vrai? Ah, je crois que tu peux. Ah ouais, oh. Ça sent le vécu là. Jason, c'est les lacets Jason ça, en fait. C'est pas forcément le truc qui est trop marrant, c'est pas l'habitude du client, c'est quand même du boyau. Hein. Ouais. Moi ça me dérange plus. Ouais, ça va. Au début c'était un peu. C'était un peu poisseux. Avec les mains dedans. Quoi. En même temps c'est marrant, tu vois, ça fait penser à. Quand j'étais à la maternelle. Les hommes d'affaires n'ont rien à faire, d'actionnaires en crise de l'air, un président super pédant et talonnette. Voilà, on a fait. On va goûter. Bah ouais, c'est le tel. Ah, c'est chaud. Ah, bête. Alors, le principe, il est simple. Hein. On a un cylindre. On a des trucs en téflon pour qui est adapté par rapport à la taille de la saucisse, voilà. Avec des bites plus ou moins grosses. Et ensuite, on a cette espèce de gros truc avec la manivelle qui est là, qui va venir pousser. En fait, c'est un piston, quoi. Voilà, c'est un fucking piston. Voilà. C'est la Jasonite. Et puis on fourre. Alors ce qui est important, c'est de ne pas mettre d'air à l'intérieur. Sinon, c'est ce que tu m'as dit. Voilà, faut essayer bien le paquet et voilà. De bien lui tasser sa race pour pas que ça fasse des bulles d'air. Parce que sinon, quand on mettra le machin, ça fera des trous d'air au milieu. Bon, après, ça reste quand même. C'est quand même pas évident de... Ouais, non, mais je veux dire, il faut tasser autant qu'on peut, quoi. Ouais. Au maximum. Ouais, pile poil un... Ouais, pas une...
Gynéco de la saucisse. S'y va. Ouais, nickel. Il en reste encore. Hein. Ça va le mettre, tu vois. Non, pas bien. T'as fait, moi, tu vois. Sinon, je vais le pousser après. On va le pousser parce qu'il va, il va sortir par là. Ouais. Il serait bien de le pousser un petit coup. Je vais le pousser un petit coup. Et ensuite, on va le. Ça va ? Non. Tu me dis quand ça. Alors, chasse l'air, tu vois. Le coffre de Mickaël, la tête d'un billet. C'est bon. Le dernier Hugo Frère. On n'aura pas la place. Ce qu'on fera, c'est qu'on s'arrêtera au milieu. Non, je parle de qu'on en a poussé un peu. On commence la première en longueur. Alors, ce que tu as fait, c'est que tu as mis le boyau dans de l'eau tiède. On est d'accord. Et donc, maintenant, tu vas essayer de trouver un bout, c'est ça ? Tu vas faire un nœud. Le bout du bout. Voilà. On va faire un nœud. Et on va. On l'enfile, on fait un nœud. Ouais. On l'enfile d'abord sur la bête. La bagnette. C'est combien ? Du 22, hein ? 22-24, je crois que c'était marqué sur le. Voilà, et ensuite, c'est comme un préservatif. Voilà. C'est connaître. On en fait jusqu'au bout, je crois qu'on peut en mettre, c'est impressionnant. Ouais, tu peux en mettre plusieurs mètres sans trop de problème. Je sais pas. Pour fermer. C'est un peu simple. Hein. Et ensuite on pousse. Doucement. Et tu prends juste un peu la vitesse là. Ouais, je prends celle-là. Ouais, la vitesse, celle-là, elle est la plus de coupe. Et, ah non, c'est l'autre. Non, c'est l'autre, celle-là. Là, elle avance moins vite. Donc, t'es coupé, là, ce qui est important, c'est. Bah, la façon de pousser en même temps que ça avance. De réceptionner le. Voilà. De retenir plus ou moins le boyau en fonction de comment ça avance. C'est de la synchronisation. Par contre, là, j'avais pas de truc. Ah, tiens, il y a ça. Ou celle-là. Ça, pour le début. Vas-y. Non, au pire, c'est toujours entre. On peut être toujours étourné. Hein. On étourne, vas-y. Ça arrive, pour les remplir. Le boyau, quand tu cuis, c'est bien. Quand tu vois le revenir, on le laisse. Une langue bien pendue pour inventer des potins. Et je prends ma dans le si je veux. Après 10 heures, j'appelle les flics, les gars m'emmènent où je veux. Je suis un malheur, si tu me la piques dans mon jardin, j'ai mis des pièges. C'est dans mon jardin, pour découper le chat du voisin, j'ai mis des pièges dans mon jardin. Pour découper le chat du voisin. Dans mon jardin, j'ai mis des pièges. Tous les matins, je les relève. Si c'est prétend, un jour s'enlève. Un jour préviens, j'allume un cierge. On a connu une vieille. Salope. Attends, stop, 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 stop. Une clôture bien aiguisée pour éventrer les voisins. Un fusil bien chargé pour dissuader les malins. Une porte blindée pour protéger tous mes biens. Je taupe. Pour branler sur TF1. T'aimes ça, hein? La saucisse, cochonne. Ah, même silicium, tu le bouffes pas, quoi. Stop. Le savon. Ah, si, il mange, hein. Non. Ouais. Vas-y, vas-y. Balance. Le secrétin, un jour s'enlève. Je vous préviens, je me fais concierge. Ben voilà, nos 5 kilos de saucisses, elles sont prêtes. Hein, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on nettoie, qu'on fasse griller ça, on va se bouffer ça comme des porcs. Ça va être... c'est la partie de la plus chiante. Il faut le faire, on n'a pas le choix. On va se faire griller ça, et ensuite, ben on vous dira si c'est bon ou pas. Nous, on en a goûté un petit bout, donc à mon avis, c'est plutôt pas mauvais.
Mais moi en tout cas, les saucisses, j'adore ça, quoi. Bordel de merde. Et se faire ses propres saucisses, c'est encore mieux. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, comme d'habitude, des questions, des insultes. Sur Gmail, Twitter, la page Facebook où je vais jamais, le truc Google+, vous pouvez devenir notre patron en nous filant du pognon dès qu'on fait des vidéos sur Patreon, ça c'est bien, filez-nous du pognon pour qu'on puisse faire des saucisses. Bien sûr, allez sur le site qui date de 93, je pense, non de Nonosono et les frères Courto, non, c'est vachement bien. Alors, moi, je suis pas très chanson française, mais moi, j'aime bien. Donc, ça veut dire que c'est de la bonne. Voilà. C'est de la bonne. C'est ça. Peu... les saucisses, ça tue. On va se faire péter le bide. Hein. Et puis, on va en refaire d'autres. Et puis, on en fera d'autres. On testera d'autres recettes, etc. Et ben, que la barbitude soit avec vous et à bientôt. Hein. Salut. Vas-y, goûte. Bah, vous, hein. Regarde. Alors ? Bah, nickel. Par contre, c'est classe. Par contre, c'est un peu chaud, mais c'est bon. Par contre. Par contre. Bah, ouais. Je suis goûté. Ah, non, c'est bon. Ça ? Mmh, carrément. Attends, ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'aime bien. Oh. Mmh. Ça et ben on valide alors. Un chou salé, mais ça c'est la... Ouais. C'est à cause de leur truc de merde qu'ils ont rajouté le sel à l'intérieur. Je vais